Yo les potos, c'est Mirolam, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va nickel et on est parti pour le 21ème épisode de Palladium. Bon, ce chant vous rappelle quelques souvenirs, je pense. Il s'agit de mon chant d'Andium. Et bien sûr, je n'ai pas fini avec ça parce que sinon, ça serait beaucoup trop simple. J'ai bien sûr encore farmé toute une nuit, hein, pour pas changer. Quand même, il faut bien avancer sur Palladium. Bon, à part que aujourd'hui et demain, je suis à la Japan Expo, donc du coup, je peux pas jouer, rip. Mais c'est pas grave, hein. Moi je me suis avancé. Et bon, par exemple, pour ceux qui vont demain, bah écoutez, j'y serai toujours. Donc je mettrai, comme je l'ai fait aujourd'hui, une story sur Instagram. Je mets le lien en description. Bref. Donc là aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte. Mais je vais planter les graines d'andium et tenter quelque chose de plutôt particulier. Vraiment, je vais jouer sur la chance. Alors, je suis fou de faire ça. Mais je me dis, c'est vrai que c'est quitte ou double. Soit c'est 0, soit c'est 2 nuggets. Vous comprendrez très vite pourquoi. Au passage, n'hésitez pas à like et à vous abonner. On est quasiment aux 100 000 abonnés. Donc j'ai envie de dire, let's go. Donc là, dans mon EC, j'ai farmé toute la nuit et j'ai actuellement 38 graines et 26 orange bleu, donc les deux ça fait bien sûr 64, hein. Et une fois que toutes mes graines d'andium auront poussé et que j'aurai du coup des oranges bleues avec, eh bien je pourrais tenter de mettre les oranges bleues dans le crusher pour enfin avoir peut-être des nuggets d'andium. Mais ce que je vais tenter, c'est pas de mettre les 128 d'un coup, mais de mettre 2 x 64. Donc c'est à dire que j'aurai que 50% de chance à chaque fois pour avoir un nugget. Bon voilà, pour vous dire que c'est vraiment très 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 osé. Là je joue vraiment avec le feu, mais bon écoutez, hein, ça fait partie du jeu également. Donc tac, je vais tout planter, voilà, nickel. Le champ est un peu moins grand que l'autre fois, hein. Mais en fait ce qui serait bien, c'est au moins d'avoir un nugget, mais genre grâce aux plantes. Et ça c'est un truc que j'ai jamais eu encore. Bon, au passage, pendant que ça pousse, je vais vous montrer ce que j'ai farmé niveau graines, mais c'est juste insane, hein. J'ai beaucoup trop de choses. Bon, bien sûr, j'ai toujours ma BP dans le mineshaft avec les 3 drawers de graines et tout. Donc, je vais juste refaire un packing tape, on sait jamais. Ma Sky qui d'ailleurs n'a toujours pas été trouvée également. C'est étonnant d'ailleurs, je pensais que ma Sky allait être trouvée assez vite vu que en live, j'avais totalement spoté l'emplacement. Bah, il n'y a pas l'écho, mais vous avez le décor en bas. Mais en vrai, c'est vrai que même si vous avez le décor, pour trouver une Sky invisible, c'est quasiment impossible, hein, je vous le dis direct. Pareil, les dispensers dans les mineshafts, c'est un truc, c'est invisible, quoi. Bon, du coup, là, j'ai les os. Les os, j'en ai toujours pas mal, hein, 1800. Et j'ai, au total, énormément de graines de titane et d'améthyste. Avec ça, je pourrais faire des champs énormes. Enfin, ça va être totalement n'importe quoi. Je pense que rien qu'avec ça, ce que j'ai là, on pourrait se faire, mais des centaines de milliers par heure, voire bien plus. Et dites-vous que ça, c'est que 2 jours de farm. J'ai farmé plus de 40 000 graines de chaque en 2 jours, c'est énorme. Et bon, après j'ai le blé et les fleurs. Le blé, je le garde, on ne sait jamais. Mais les fleurs surtout, peut-être qu'elles vont servir pour le métier d'alchimiste. Donc c'est pour ça que je les garde. Et si elles servent pour ce métier-là, ça serait magnifique. Voilà. Bon, ça je remballe. Il n'y a pas de pal à lag, nickel. Et dernière petite parenthèse avant de passer du coup au crusher et à la récolte de graines d'andium. Il y a également les métiers d'hunter qu'il faut que je monte. Donc oui, farmer niveau 20, mineur niveau 20. Et il reste ce métier de hunter. Bon, alchimiste, on peut toujours pas le monter, je pense que maintenant vous êtes au courant. Mais le métier d'hunter, beaucoup me disaient encore, Miro forme des mobs et fait cuire du steak, comme je l'ai dit lors du dernier épisode. Et je vous l'ai pas encore montré, mais il y a une nouvelle farm en construction et celle-ci sera dédiée à être entièrement rempli de citrouilles. Attends, ils l'ont monté jusqu'où? Ouais, je pense qu'ils l'ont monté couche pack, ça, genre... au calme, quoi. Bon, c'est pas la ferme et tout que vous avez vu dans les vidéos des autres youtubeurs et tout, c'est une autre ferme, exactement du même style, mais sauf que celle-ci serait vraiment full citrouille et dédiée, du coup, au métier de hunter. J'ai pas des travail boots sur moi là. Ah bon, du coup là ils ont commencé à planter, ça a pas trop poussé. Mais bien sûr ils ne se sont pas arrêtés là puisque ça descend très 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 bas. Enfin jusqu'à la couche 5, 4 ou 5 quoi, jusqu'à la bedrock. Donc ouais, ça pousse tranquille et on va pouvoir XP le métier d'hunter grâce à ça. Et tout a poussé visiblement, c'est insane. Il y a trop de citrouilles. Bon, bien sûr c'est du 3x3 chunk, hein. Voilà, ça descend jusqu'en bas. Il y a des drawers qui traînent, je sais pas pourquoi. Bon, bien sûr c'est claim, hein. Je peux voir ce qu'il y a dedans. Je peux prendre. Ok, d'accord. Bah en fait c'est claim, mais je peux prendre dans les drawers, d'accord, je ne savais pas. Et du coup, par citrouille cassée, je gagne 3 d'XP. Alors j'ai 1,5, je pense que de base ça devrait être 2, mais bon, 2 ou 3. Bon, c'est vrai que ça fait une certaine différence quand même. Mais là je suis à 13 000 et je fais une rangée, hop. Alors combien d'XP je gagne sur une rangée, on va dire plus ou moins qui a poussé. Voilà, je gagne 234 d'XP.
en tuant des mobs, c'est pas aussi rapide, hein. Voilà, c'est pas du tout aussi rapide. En vrai, je pense que je vais me faire tout l'étage, au moins tout l'étage de citrouille, et voir ce que ça donne. Mais je pense que ces prochains jours, bien sûr, en plus du farm d'endium, il faudrait que je tryhard les citrouilles, hein, parce que là, je suis déjà à 1000 XP, ça monte assez vite quand même. Genre le niveau 11, là on se dit, bon bah en fait c'est rien quoi, quand t'as une farm comme ça, citrouille, voilà, ça monte très vite, hein. Ouais, on est environ à 2000 XP par étage, c'est énorme, c'est vraiment énorme. En vrai, vous savez quoi, 2000 XP par étage, ça fait du 10 étages à faire. Est-ce qu'il y a 10 étages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et bah vous savez quoi, on va passer level 12. Bon, du coup, je prends le temps de tryhard en plus, hein. J'ai déjà que j'ai pas énormément de temps, je prends le temps de tryhard. Ok, bon bah écoutez, on passe niveau 12 Hunter, et juste voir si on a le même nombre d'XP, même après le niveau 12, 13, 14, enfin, en vrai, ça serait vraiment bien. Après, je vous dis, là, niveau rapidité, c'est même plus rapide que le quartz dans le minage, donc je pense que le niveau 20, je peux facilement le passer en 2 jours si vraiment je suis à fond. Ah oui, en fait, quand ça pousse en entier, ça rapporte bien plus d'XP. Ah ouais, d'accord. Ça rapporte quasiment deux fois plus. Ok, d'accord. Bon, je pense que le niveau 12, il va arriver plus vite que prévu, hein. T'as 3500 d'XP, c'est quasiment deux fois plus. Je suis à combien, là? Je suis à 23000 d'XP sur 34000. Ok, d'accord, ça marche. Bon, ce qui est dommage, c'est que par contre, les citrouilles, on peut même pas les vendre, je crois. En fait, les citrouilles, c'est inutile, en fait. Une fois que c'est cassé, quoi. Oups. Aïe, on a rien vu. Hop, on replante. Allez, on est presque au niveau max, c'est plus que 400 points d'expérience. Et on y est enfin après. Ouah, 15 minutes. Ouah, c'est beaucoup trop. C'était trop dur de tryhard le métier d'hunter. Bon, je dis ça, mais je suis qu'au début, hein. Ok, allez, on y est presque. Allez, encore 2-3 coups. Et je passe niveau 12 avec 13 000 $. Attendez, juste, voilà. Je prends les 13 000. Alors, je crois qu'ils ont réactivé aussi les slash pay. Ça, j'ai pas trop de check. Mais je suis à 2 065 000 $, ce qui est pas mal, hein. Mais oui, ils ont remis les slash pay, du coup on peut enfin faire des trades avec de la monnaie. Et ça c'est plutôt cool vu qu'on va pouvoir acheter de l'endium, je pense, petit à petit. Enfin bref, voilà. Au niveau des citrouilles, ça rapporte toujours 3 d'XP, hein, toujours au niveau 12. Et c'est 43000 points d'expérience. Donc un métier, je pense, relativement assez simple à faire. Bon, maintenant j'en suis pas encore au niveau 15 et tout, je sais pas ce que ça va être. Ça se trouve, après le level 15, on ne peut plus faire de citrouille, enfin je ne sais pas comment. Est-ce que ça va se passer? Bon, ce qui est sûr, c'est que là, j'ai fait que genre peut-être 5 étages, 5 ou 6 étages. Ah non, plus que ça en fait. Mais bref, repassons du côté des endium seeds. Et je peux mettre les citrouilles dedans ou pas? Ou c'est full? Pourquoi j'arrive pas à les mettre dedans? Oh, au pire, je les jette par terre. C'est bon. Bon, de retour sur la sky. Et bien sûr, ça n'a pas poussé vu qu'il n'y avait personne. Donc, on attend que ça pousse. Après, une fois que ça a poussé, je récolte. On a les deux stacks d'orange blue. Et après, bah, je vais tenter quelque chose de plutôt osé. Il s'agit de mettre que la moitié dans les palladium crusher. Sur ce, on se retrouve à tout de suite. Bon, épisode 2, ça a enfin poussé. Eh bien écoutez, il est temps de récolter. Ah, ça prend du temps à pousser quand même, hein. Mine de rien, on n'a pas de palalag. Et let's go pour la récolte de graines. Je crois que tout a poussé, nickel. Allez, let's go. Attends, j'ai envie de faire ça en vrai. Genre vraiment d'un coup, pour voir s'il n'y a pas des endium de gaz qui vont pop. Bah que dalle, tu parles. Bon allez, on va pas trop tarder. En fait, il n'y a même pas de graines bonus, quoi. C'est quoi cette arnaque? Il n'y a même pas une graine bonus d'endium. Il n'y a que des oranges loups. C'est quoi cette douille totale? Attends, il y a une graine qui traîne quelque part, c'est pas possible. Ah non. Mais non, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Je suis dégoûté. Ouais, tant pis. Bon, du coup, on prend les deux. Ce qui nous fait deux stacks d'oranges loups. Donc là, normalement, grâce au crusher, j'ai un endium nugget. Sauf que je suis un fou, mais totalement un fou. On va diviser ça en deux. Bon, du coup, nous avons trois cas possibles. Le premier cas, 0 nugget. Ouais, le cas où tu te fais totalement douiller. Le deuxième cas où tu as un nugget. Bon, là, c'est le cas où tu as tenté de jouer avec le feu, mais ça va, t'es quand même sauvé. Et le cas où tu as deux nuggets, où tu es un gros château. Mais je sais pas pourquoi, mais comme d'hab, moi je suis pas châteux, et j'en aurai 0. Enfin bref, de toute façon ça on le verra tout de suite. Bon, le truc c'est qu'avant, j'ai besoin de pala mixed coal, je crois que c'est ça, ouais, pala mixed coal, et c'est quand même 8 de palladium et un diamant. Ça vaut cher quand même, hein. C'est quasiment un bloc par pala mixed coal. Bon, apparemment on m'a dit que le craft changerait peut-être par la suite, mais actuellement, bah, le craft est tel qu'il est. Donc, je sais pas si c'est un pala mixed coal pour un stack entier d'orange blue, je ne sais pas trop comment est-ce que ça marche, enfin, je ne sais plus. J'ai un peu oublié. Attends, il n'y a pas de diamant qui traîne là? Juste un diamant. Un diamant, s'il vous plaît? Non, j'ai pas de diamant. Non. Oh, tant pis, c'est bon. On va l'acheter dans le shop. 300. Ah, rip, tant pis.
Oh, j'ai bien un diamant qui traîne dans une sky. Forcément. Même pas. D'accord. Ok. Bah, je sais pas, dans une BP peut-être. Genre là. Bah voilà, nickel, avec mes graines de palladium. Ne pas oublier ça. Voilà. Hop, on prend plusieurs diamants. On remballe avec celui-ci. Et bon, tant qu'à faire, on est dans le mineshaft. On va poser le palladium crusher juste là. Ah, en vrai, il nous avait quand même manqué celui-ci. Hein. Mais bon, allez hop, let's go. Il faut juste, du coup, que je remplisse ça à moitié. Que je fasse les palamix set call. Hein, sinon, ça va pas marcher. Tac, j'espère que ça coûte pas trop cher. J'espère que ça va durer longtemps, sinon bah tant pis. Hein. Ça coûte cher en palladium, mais bon, faut se dire que ça vaut quand même le coup. Bref, je vais mettre un stack ici d'orange blue. Hop, le palamix set call. Ah, donc en fait, actuellement, un palamix set call, ça fait une orange blue. Ok, d'accord. Ouais, mais attends, je vais pas dépenser un stack de blocs de palladium pour ça. Attends. Il y a un petit problème, là. On peut pas mettre avec du charbon normal, vite fait? Je pensais qu'il allait cuire plusieurs blocs, quand même. Pas un seul. Attends, je vais acheter du charbon. Genre là, si je mets du charbon, non, ça veut pas. Hein, mixed coal. Ok, d'accord. Ouais. En fait, la barre, je la vois même pas se remplir, en fait. Ça m'inquiète. Ok. Bah écoutez, je suis douillé. Je crois que je vais faire ça. Je vais garder mes oranges blues pour une autre fois et limite on va cliquer sur le bouton, hein, quand même, pourquoi pas, hein, on va avoir de la dirt forcément, mais bon, au moins on tente. Je suis dégoûté, je pensais que le mixed call, genre, il pouvait au moins faire 8 ou 10 oranges blues, je ne sais pas, non, c'est 1 pour 1, sauf que bah, ça coûte hyper cher, 8 de palladium, je me suis fait douiller quand même 16 de palladium. Pour ça. Attention, le verdict final, est-ce que j'aurai un nuggets? Bah non. Amiro, qu'est-ce que tu crois? Bah non, forcément. Ah, j'ai même pas récupéré la dirt. Remboursez-moi ma dirt. Donc, verdict, la machine est tout à fait inutilisable. Enfin, ouais, dommage. Bon bah écoutez, ce fut une expérience très intéressante, hein, vraiment très très intéressante. On va garder ça de côté. Pareil pour le Palladium Crusher, et puis bah écoutez, hein, on va continuer le farm aux graines d'Andium. Prochaine fois, ce que je ferai, c'est planter du coup les graines de Palladium. Mais ouais, là je suis grave dégoûté. Genre vraiment, je suis grave dégoûté. Bon bah écoutez, on finit sur un imprévu, sur un gros imprévu. C'est pas grave, du coup je demanderai au staff pourquoi en fait. Pourquoi ça, hein? Pourquoi est-ce que ça fait ça? Au passage, n'hésitez pas à lâcher un max de likes et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Palladium. On est presque aux 100 000, let's go. C'était Miro, je vous kiffe. Ciao.